Dame la Lune qui ouvrira le bal de mars avec cette superbe éclipse totale de Lune avec le club astronomie de l'AAS qui avait posé pour l'occasion ses télescopes à Croisille. Année électorale oblige, l'exposition Super Citoyen a permis de faire découvrir aux jeunes un bureau de vote et simuler une élection grandeur nature. Pour la 10e édition de la fête de l'Internet, Vince et Lou s'étaient invités au cybercentre de Saint-Laurent-Blangy pour expliquer aux enfants comment surfer sur le web en toute sécurité. C'était aussi l'occasion de découvrir les coulisses d'Agora Web TV, du tournage à la mise en ligne du journal. Ah non, mais il faut que quelqu'un s'y vive. Monsieur le maire, vous terminez. Voilà, avec le petit garçon. Très bon, ça. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Extraordinaire. C'est un privilège, hein. C'est un privilège. Immercurien, immercurienne, cet hôtel de ville est à vous. Le premier magistrat de Saint-Laurent-Blangy, Jean-Pierre Delery, avait invité la population à prendre possession du nouvel hôtel de ville pendant tout un week-end. Au programme des festivités, exposition d'artistes locaux et des associations locales. Chant avec les enfants des écoles, accompagné de Chiku, la mascotte de la ville. Mais aussi concert avec l'harmonie municipale et Emmanuel Huard, illustre pianiste immercurienne. Sont venus tout au long du week-end, une belle inauguration pour une belle réussite architecturale. Agora Web TV sur le site www.aas.asso.fr, prochaine édition en mai.